أجرا وانت كثيوين تغال دي سيكل نظان أنا يون وسكاسي غايلين كذيون وباروت ولا متيد يا كان ذي تيكيو سانك تيكل تادي لينا ذي الستوديو المند نون جاليس ويس كراد ويس تاتا ديفران وكير ذل والناس حسني موينا زوفلك زوفلك رشي زوفلك كمال ميرسي بو لانفيتاسيون دون قال تون قال لي مسمى فود احلام اثيد نصلوض انك ذا كمال اي اللي نيدي ذي سقسيين ادي في كوره ذا نتسى زول فلك كمال زول رشيد زول كان تولان زول نبي النور جيسبر جوست مو دي سعدي وانت سواتي الهان اد نسقردش فين يشدني يتسكلا هكا هكا نسقردش يعني يشدنا تسكلا تولام يا كان كي دنيا والناس حسن يغسين ونقال اني مزوره يفقد وسنا كي يون وسلتا فود احلام كم لو الناس فود احلام ذوين دي هضرنا فوطاس التمثال نار نسنتال تم زواموت تيري تيري غافن سيث موث ثموث يغون فان الحمالة يا كوين يشبحان وكذا سنت لم زواموت سنت سيني شود وطن كيان كورونا كورونا فيروس قعدنا فما ظل ذا ثموث داغن سنت الوسيا ثان ثم حقن تكي دي ساسو دافو غات زيرير ميا لي غافاني تي دير ديك سلا غان غافا قبايلي اثنت ولي باكن لي بروفيتير س الكورونا القلال الحمال اللي نقلان دي ثموثي وكني ها ثكني هذه صحه اطاس اوغات غاف غافاني تيلين دي الجزائر سقسي هو كاكين وي فنانزا ذا شو اذي سوين كي جان شو كي بونا تاغوت ان ديالكي وكير سي داو دا سو فرانسيس خاطر اش كل يوم قاعد يتولين تصاها توكاد اون قال يوغا فرانسيس جو ولي دير كو لو فوت رومون فود احلام تريت دو بلوزيور تيماتيك دون ان برومي تون يا لامور لامور كوم اون سيفيرسيون دون ان بي الترا كونسيرفاتور اي بي كوم دوزيام تيماتيك جي ديسيرني دو سو ليفر لا سي لو لا بانديمي دو كورونا فيروس l'hystérie qui en a suivi. Et comme troisième point, c'est la répression de l'État algérien qui en a profité de ces deux facteurs pour renforcer ou redoubler de férocité pour reprendre ou paraphraser la fameuse expression de Kate Biasin ou sa pièce théâtrale, nos ancêtres ou bien les ancêtres redoublent de férocité. Ma question. Merci pour toi. Ma question pour toi. Qu'est-ce qui a poussé un assassiné à écrire ce livre? Merci pour ta question. Je crois que tu viens de faire une introduction assez rétrospective, Rachid. Mm-hmm. Alors, c'est le roman Food Alam est une réponse à une urgence. Mm-hmm. C'est pas un roman d'urgence cependant. J'ai écrit pendant 3 ou 4 mois durant la pandémie, le début de la pandémie en 2020, mm-hmm. et autour de 3 thématiques centrales qui se sont imposées d'elles-mêmes, à savoir le coronavirus, mmh. et puis la répression qui s'abat sur le peuple algérien après plus de 2 ou 3 années du grand mouvement protestataire de Hirak. Mmh. Et puis la thématique, la troisième, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? L'amour, Food Ahlam fait appel indirectement à Majnoun Leila, le fou de Leila, le célèbre poète arabe anté-islamique. Et l'amour, anté-islamique, c'est-à-dire avant la période islamique? Oui, anté-islamique. Ça, c'est un autre concept très idéologique. Pour dire aussi que l'amour est déjà en soi une subversion. Surtout dans nos sociétés, ouais. parce que l'amour, il fait appel au jeu, il fait appel à l'individu, il fait appel à la possibilité de penser le monde d'une manière individuelle, plus ou moins égocentrique. J'ai écrit ce roman aussi pour essayer d'accompagner ce qui se passe un petit peu, ce qui s'est passé à une certaine période. Au départ, le roman devait s'appeler « L'amour à l'heure du coronavirus et de la colère ». Mais comme je n'ai pas la prétention de Gabriel Garcia Marquez, l'histoire s'est écrite d'elle-même. Je pense que c'est le roman que j'ai écrit de tous mes romans le plus rapidement parce que… Il y a une urgence. Il y a une urgence à laquelle il fallait répondre. Et puis, voilà,
grosso modo. Merci. Zira Kamel. Vous résidez au Québec ou vous comptez immigrer? Le Centre de formation Trade Union vous offre des formations en ligne, diplômantes et admissibles aux prêts et bourses en lancement d'une entreprise, vente-conseil, comptabilité et vente de voyage. Trade Union, c'est pour moi une deuxième famille au Québec. Un personnel très accueillant et très professionnel. À Trade Union, j'ai trouvé la formation qu'il me faut pour réussir au Québec. En 10 ans, nous avons accueilli, formé et encadré plus de 5000 étudiants et nous sommes très fiers. Avec Trade Union, profitez de l'expérience d'une équipe professionnelle et disponible en tout temps. Trade Union de votre réussite, une meilleure façon d'avancer. Kamel, tu n'es pas arrêté. Il faut que tu te rends compte que tu es un peu plus de temps. Francis, quelle appréciation après avoir lu le roman de Lounès Hassani? Donc après avoir lu le roman, moi personnellement, j'ai fait une sorte de lecture un peu philosophique, et déjà parce qu'il a déjà une relation avec, on peut dire, la profession du personnage principal, et en même temps, il y a l'idée d'engagement et les différents procédés utilisés dans la rédaction du roman, le fait de recourir déjà à, on peut dire, à des procédés comme par exemple le dialogue, tout ça, où il y a la possibilité justement d'insérer, on peut dire, un certain nombre de visions et faire parler des personnages, différents horizons, qui va permettre justement de donner une dimension même d'engagement, on peut dire, dans le roman. Déjà, d'ailleurs, même le choix, par exemple, de l'espace, le choix même de la profession, par exemple, ou de le profil, par exemple, de Ahlam, étudiante en médecine, qui vit au sud du pays, Touareg, parent d'origine kabyle. Donc, c'est pour un petit peu aussi évoquer cette question-là de diversité même au niveau culturel en Algérie, par exemple. Donc, même si l'histoire essentielle se base en Kabylie, une ville maritime, donc à Bougie, on comprendra qu'à travers le choix de l'espace, des personnages, tout ça, et justement, comme a été souligné par Hassan Ouaz par rapport à la question de l'urgence, étant donné qu'il y a une problématique importante dans le roman, c'est la question existentielle qui est, même, on peut dire, le rapport avec la mort, parce que c'est comme s'il est imminent, on voit autour de nous de la mort partout. Il est presque même lorsqu'on lit le roman, on va sentir que presque qu'il y a cette pandémie a banalisé la notion de mort. C'est comme si déjà même par rapport à l'enterrement, il y a un nouveau regard, le fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui assistent à l'enterrement. Donc, c'est-à-dire, le roman est intéressant à lire parce que c'est-à-dire, c'est comme si une nouvelle thématique qui s'impose, on pourrait même parler d'une certaine forme de littérature de confinement. C'est-à-dire, c'est un texte certainement qui est écrit. On va sentir que l'auteur, à travers le personnage principal, qui est en train de suivre l'actualité, de rapporter, et après on va détailler un petit peu, lorsqu'on va commencer à débattre par des discours, comment le roman s'est construit. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées dans le texte. Mais il y a donc plusieurs thématiques qui sont abordées, comme a été évoqué. Mais grosso modo, de manière générale, même si il y a l'histoire principale qui est l'amour, qui est la liberté, mais au fond, on peut lire aussi le roman autant que interrogation par rapport à la question de projet de société, autant que par rapport à la question de liberté individuelle et collective, et par rapport à la question de vision du monde d'une manière générale. Parce qu'il y a une sorte de lutte, parce qu'à travers cette transgression, à travers cette relation amoureuse, cette transgression représente justement ces rêves-là, d'où la dénomination du personnage principal, parce qu'elle est chargée de signification en quelque sorte, Ahlam, qui veut dire donc rêve. Et ces rêves-là, justement, c'est le vœu de tout, on peut dire, citoyen ou tout humain qui va naître et doit être libre sans aucune contrainte. Et donc, je pense que c'est... Dans le roman, il y a plusieurs questions qui relèvent un peu plus des questions aussi politiques
parce qu'il est question de projet de société. تنمية كمال سيدة سادة شكين قلها أن ذي لونس حسن إذا كان يتصنحوا جارثي لو ذو سوغن رياليتي فيكسيون يحكو لك كير سوغن ناس الإيماجيناسيون اللي تسوير ثي لو تمور تمشي كير إتسيليا سقسية اللي سدون راه أون قال لك كير فود أحلام يهضر دافيو سقسيت تحكاية نتايرين إلان يار إليان ذي أحلام ذي موسون كي كاين ذي غيرولا أون كميل ومقارن الحراك هذا شكيا في دي بوي امس لي فلاس تو راس قسيو اي حسن طون رومون سي جو بو دير حسن اللي على لا فوا كريتيك اكسبلوزي سوبفيرسيف اي اكسبلوزيف سي تي لا ترام برينسيبال تور اوتور دون استوار دامور انتر اليان اي احلام en plein je dirais entre parenthèses presque révolution parce qu'elle n'a pas été malheureusement de Hérac accompli. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de l'Algérie romancée? Oui, je pense que c'est une histoire, en effet, de l'Algérie romancée, un pays qui est exposé à toutes ses contradictions, un pays qui se débat avec ses démons, mais un pays qui, à qui on doit offrir le possible de s'ouvrir sur l'altérité, sur d'autres possibilités, etc. Le personnage central est un philosophe. Son amoureuse, Ahlam, rêve en arabe, est une future médecin. Et puis, l'histoire se déroule en plein milieu d'une, on va dire, d'une presque révolution. Parce que c'est une révolution qui n'a pas encore abouti, ou parce que un tas de choses, c'est davantage un mouvement protestataire qu'un mouvement social. Pourquoi le philosophe, le médecin et le mouvement populaire? C'est pour dire que le médecin, j'ai choisi le personnage du médecin pour dire le rapport que nous avons en tant que société au corps. Nous avons une relation qui est très complexe par rapport au corps. Or, quand on parle du corps, on parle de l'individu, on parle de la possibilité de s'exprimer artistiquement, je parle de la danse par exemple, littérairement, etc. Et puis le philosophe. Pourquoi le philosophe? Et il aborde un certain nombre de thématiques, parce que le philosophe, il a le don du marteau, c'est quelqu'un qui brise, qui casse l'idole. Il remet en cause en permanence, diront toute la trame, il remet en permanence l'impensé en cause, le tabou en cause. Et donc, lui, parce qu'il est outillé d'un certain nombre de références, et puis il est jeune, parce que la jeunesse a l'audace de soulever le monde sur ses épaules quand on a 20 ans, et donc il se permet de subvertir un certain nombre de questions, un certain nombre de sujets. Et puis il y a le mouvement protestataire, troisièmement. Le mouvement protestataire est un immense mouvement, un grand semeur de rêves qui nous a fait et qui continue, je pense, nous faire rêver dans une certaine mesure. Il a essayé de proposer une autre possibilité que celle qui nous est imposée depuis 1962. Et donc, ce que je veux dire, le terreau est tellement fertile pour aborder un nombre, j'allais dire, quasiment infini de questions auxquelles nous sommes confrontés en tant que société. Et du début jusqu'à la fin du roman, le philosophe, l'intellectuel, l'écrivain, l'auteur en général, n'a pas vocation à être d'accord avec la majorité. Les lumières, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le roman. Les lumières, c'est pas un phénomène collectif. C'est d'abord un phénomène d'individu. C'est une parole qui a été osée publiquement. Ce sont des Voltaire, des Diderot, des Spinoza, bon, encore qu'il a devancé le mouvement, qui ont mis une certaine façon, une certaine possibilité de penser le monde autrement que tel qu'il est pensé par la majorité. Donc, et à partir de ces personnages, on découle beaucoup d'autres thématiques. Je parlerai par exemple de la vieillesse, parce que la pandémie pose d'une manière accrue, peut-être jamais posée d'une manière aussi violente, la question de la vieillesse, la construction culturelle de la vieillesse, la question existentielle de la mort.
qui est parce que la catastrophe, les catastrophes, les pandémies, les grandes maladies, ce gosse de la mort, ce qui fait notre empathie, si tu veux, devient sélective au milieu de la pandémie, à tel point que lorsque je parle dans l'histoire d'un médecin et puis d'un infirmier qui sont morts d'autres choses que de la pandémie, ils ne sont pas morts en héros, c'est-à-dire l'imaginaire collectif les imaginait mourir pour la pandémie, comme la pandémie a fait des médecins, des infirmiers, des dieux, quelque part. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai répondu. Non, c'est peu. Largement. Francis, quelle est la thématique essentielle abordée dans ce roman? Et quels sont les types de discours développés dans le Foudahl? Et qui n'aime pas l'air, mais des la thématique essentielle, il a une relation directe avec la notion de liberté. Et principalement, bien sûr, dans le roman, étant donné que ce sont des expériences individuelles, histoire d'amour qu'il a vécu avec le personnage principal, Elian, donc c'est plus la liberté. Et lorsqu'on parle de liberté, donc il y a liberté individuelle, liberté collective, parce que liberté collective est abordée plus par la question, le fait d'aborder la révolution, le Hirak, et liberté individuelle par rapport justement, comme il a été évoqué tout à l'heure, la question du rapport avec le corps, la question justement du statut de la femme même, réellement au fond, c'est-à-dire c'est comme si lorsqu'on va lire, on va comprendre que si la femme n'a pas de place, que si le rapport avec la femme n'est pas réglé, on peut dire que la société va rester toujours justement dans le conservatisme, dans ces idées-là qui sont venues, formatées, on peut dire, à partir, on peut dire, d'un certain nombre, que ce soit en relation avec la religion, la relation avec la culture au niveau de la société. Et donc, tout est réellement, au fond, relié à la question de liberté. Mais ce n'est pas seulement une liberté sur un plan individuel, mais là aussi la dimension collective, d'où justement que l'histoire est insérée, on peut dire, dans un mouvement dit révolutionnaire, même si la question de la révolution pose problème, et d'ailleurs même le personnage principal, il parle, comment peut-on parler de révolution sans révolutionner les choses. Et d'où, justement, si on va extrapoler un petit peu, essayer de relier par rapport à la réalité, il y a le problème, s'il y a échec de ce mouvement, de cette révolution, c'est parce qu'on n'a pas tranché un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse. D'où, justement, les blocages qui peuvent exister, ça soit de la part du pouvoir, en place représentée, par exemple, dans l'histoire représentée par la gendarmerie, par la police, par la justice, par tous ces éléments-là, par les responsables de tout ça, en évoquant aussi la question de la dictature. Donc, au fond, c'est ça la véritable problématique qui est posée dans le roman. Et après, les autres, on peut dire, thématiques sont là, venues pour un petit peu, on peut dire, évoquer d'autres questions qui ont bien sûr en relation avec la thématique principale. Pour ta question concernant les types de discours, même si de manière générale on parle un peu de discours rapporté, etc., parce qu'on va sentir à travers ça de le dialogue, à travers le discours rapporté, dans le sens où on évoque un certain nombre d'informations, même d'actualités, qui ont relation par exemple avec des propos des responsables ou des propos des religieux par rapport à la question. Par exemple de la pandémie, où ils évoquent le virus, pour les fondamentalistes, évoquer, dire que le virus il est comparé à un soldat invisible. Donc on va sentir lorsqu'on va le lire que le personnage principal suit l'actualité de près, il essaie de l'interpréter, de l'analyser pour essayer un petit peu justement de poser les problématiques, ça soit par exemple par rapport au problème du capitalisme, même la question aussi conspirationniste, c'est-à-dire à travers le dialogue, on va sentir qu'il y a aussi des idées conspirationnistes qui sont véhiculées, ça soit dans la société, ou même de la part des gens qui sont bien placés, ça soit des médecins ou d'autres,
on peut dire, catégories sociales qui ont normalement, qui sont censées développer un discours plus rationnel. Donc, c'était une occasion un petit peu pour évoquer différentes hypothèses. Et pour revenir surtout, par exemple, par rapport au niveau de discours, au type de discours, c'est plus un petit peu, j'ai retrouvé les trois niveaux. On peut dire qu'il y a un discours qui est un peu plus philosophique, intellectuel, tout ça, pour s'adresser, on peut dire, à une certaine catégorie sociale. On peut dire le registre de langue un peu plus soutenu. Il y a le deuxième registre, un peu plus lorsqu'il s'agit de communication ou de dialogue avec les membres de la famille, etc. Donc, on peut dire un langage, on peut dire moyen. Et il y a un autre discours qui est un peu plus dégradant, on peut dire, vulgaire, lorsqu'il s'agissait un petit peu d'utiliser de l'ironie ou de l'humour, etc., pour un petit peu évoquer, on peut dire presque, si on va schématiser, par rapport, on va comparer par rapport au schéma de Freud sur un plan, c'est-à-dire du subconscient, on va retrouver un petit peu cet aspect-là du subconscient, on peut dire, qui est représenté par ce genre de discours. Donc voilà à peu près comment j'ai pu faire cette lecture-là par rapport à ces différents niveaux de discours. Enmi Kamal, l'éducation dans votre roman, au Dahlem, de beaucoup de langage. Les mots que l'on met dans la bouche de l'enfant. Ça d'un côté. De l'autre côté, vous avez parlé de la ville. La ville se déroule l'essentiel de la trame et qui s'appelle Asiem. Est-ce que ce sont des choix délibérés? Oui, tout à fait, ce sont effectivement des choix délibérés. Asiem, c'est pour dire justement la question de la langue. Asiem veut dire en berbère le dauphin. Et donc, quand je suis tombé sur ce nom, je suis tombé sous le charme. Et puis, par rapport à l'autre aspect de la question, oui. L'enfant, les mots. L'enfant et le langage. Oui. Il y a, je dis toujours que le pays que nous avons, le pays dans lequel nous vivons, est enfant du langage, est enfant des mots que l'on met dans la bouche de l'enfant. Il n'y a pas un auteur, je pense, qui a développé cette idée comme George Orwell dans sa fameuse dystopie 1984. Ouais. Il avait développé... La ferme de l'animal ? Non, le 1984. Ah, pardon. La dystopie, qui est un roman d'anticipation et dont je me suis peu ou prou inspiré. Il a développé l'idée de la novlangue. Le novlangue ou la novlangue. Une nouvelle langue inventée. Une dictature qui réduit au maximum le langage pour qu'il n'y ait pas de possibilités multiples pour la pensée. En fait, c'est pour tuer la pensée dans l'œuf. Et George Orwell, qui a développé cette idée en 1949, il nous a sensibilisés par rapport à la question de la langue. Et depuis, toutes les dictatures, ou bien avant, s'en inspirent d'une manière ou d'une autre. Soit en interdisant des mots, un certain nombre de mots que véhicule le langage, soit en les remplaçant par d'autres. Si je prends, par exemple, dans notre culture, ce qui se passe actuellement. Alors, le personnage est un philosophe. Un philosophe est un déconstructeur pour qui la vérité n'existe pas. La vérité est une construction de tous les jours. Donc, il est face à cette question, comment un certain nombre de mots ont fait leur avènement dans la société à tel point qu'ils occupent tout l'espace. Par exemple, je prends par exemple un certain nombre de mots comme interdit, sacré, impensé, frontière, limite. À force de les répéter, de les ressasser, de les mettre dans la tête de l'enfant, on tue en lui la question. On assassine en lui le doute. On le formate dans une certaine mesure à l'idée selon laquelle il y a des questions à ne pas poser, il y a des problématiques auxquelles il ne faut jamais être exposé. D'où, d'ailleurs, dans un certain nombre de pays, on s'attaque à la philosophie, aux sciences humaines, etc., parce que la philosophie est fondée sur la recherche de la vérité. Or, comme la vérité est subjective, elle n'existe pas, c'est une construction de tous les jours. Par contre, dans le sens inverse,
et c'est ce que raconte le personnage du philosophe, si on mettait dans la tête de nos enfants aujourd'hui des mots comme égalité, liberté, laïcité, vivre ensemble, harmonie, la société sera naturellement plus ouverte. Les sociétés occidentales sont aussi des constructions de langage, parce qu'il y a des mémoires collectives qui se sont appropriées un certain nombre de mots, fédérateurs plus ou moins. Quand on parle d'Occident, on pense naturellement à l'égalité, on pense naturellement à laïcité ou à la limite à la sécularisation. Et donc, c'est à partir de là que le personnage essaye de subvertir un certain nombre de questions. Donc, il est question, et quand il est question justement de la subversion du langage, si on vous rappelez un petit peu les années 90, c'est une décennie noire, sombre, qui a endeuillé tout le peuple, mais il y avait un certain nombre de mots qui étaient colportés. On entendait parler de laïcité, d'égalité, de boycott, c'était un espace public riche et enrichissant pour celui qui écoute, pour l'enfant, par voie de conséquence. Mais aujourd'hui, ce que constate l'auteur, c'est que les mots sont remplacés par d'autres mots. Des mots qui étaient jadis, entre parenthèses, normaux, banals, usuels, ont rejoint quasiment le champ de l'interdit, le champ de l'impensé. La laïcité est devenue un petit peu l'équivalent de la mécréance. La question est devenue l'équivalent, la question que l'on doit apprendre à l'enfant. On doit dire à l'enfant qu'il n'y a pas de question qui soit interdite. Il n'y a pas de question qui ne faille pas poser. Il faut poser toutes les questions possibles pour comprendre le monde, pour comprendre l'univers. On peut aborder cette question notamment par rapport à la protestation populaire du Hirak, où un certain nombre de mots ont quasiment disparu de la circulation. On parle de se libérer, de s'affranchir, etc. On parle de liberté comme un concept vague. Mais dès qu'il s'agissait de rentrer un petit peu dans le détail, le démon se cache dans le détail, le diable se cache dans le détail plutôt, il ne fallait plus évoquer des mots comme égalité, comme laïcité, comme la condition de la femme. Et puis on s'était aperçu qu'au final, quelle est l'aspiration populaire ? À quel état aspirons-nous ? Donc, je... Et probablement c'est l'une des raisons de l'échec de l'Hirak, non ? Je voudrais pas me prononcer sur sa réussite ou son échec, mais je voudrais. Mais il y avait des questions épineuses qu'il fallait traiter. On ne peut pas. C'est Averroès qui disait au XIIe siècle, le monde dit d'islam se prive de 50% de ses potentialités. Imaginez, au XIIe siècle, Averroès disait quelque chose dans ce genre. Alors on ne peut pas imaginer un futur sans penser aux 50% de la société, la femme notamment. Il y a eu, à une certaine période, et j'ai parlé de ça, un certain reportage qui avait fait beaucoup de bruit, c'est une chaîne française qui avait fait ce reportage. Et puis on avait aperçu une jeune fille qui prenait une bière, une autre qui embrassait son copain. Et c'était l'outrage fait au sacré, l'outrage fait à la société. Alors si on ne peut pas déverser juste une révolution dans la rue sans savoir elle mène où. Et donc, voilà, grosso modo, pourquoi les raisons pour lesquelles j'ai traité un petit peu du langage. Merci. Je vais vous dire dans la Hakimat Kamal, parce que si vous êtes franciste, quelle attention particulière faudrait-il s'attarder, notamment dans la construction des dialogues insérés dans le roman? Avant ça, j'aimerais bien justement le relier par rapport à ce qui a été évoqué par la question de la nouvelle langue de Orwell, dans un roman. C'est important de l'évoquer parce que justement, il a une relation avec justement une certaine vision, on peut dire, du monde. Le fait de priver justement
privilégiant des citoyens de s'armer intellectuellement pour être immunisé, que ce soit à l'école ou partout, le fait qu'il y ait justement des intégristes. On l'a vu, je pense, aussi au Maroc, ou je ne sais pas, ou même en Algérie, c'est possible. Le fait justement de vouloir interdire l'enseignement de la philosophie, l'enseignement d'un certain nombre de disciplines. Pourquoi ? Parce que, surtout principalement la philosophie, parce que la philosophie a pour vocation de poser plus de questions que de répondre. Et la question en elle-même pose un problème pour des gens qui disent nous détenons la vérité absolue. Donc le fait de se poser des questions, le fait de douter, le fait de vouloir y aller, essayer de réfléchir sur des questions justement de l'impensé, des questions même impensantes, même, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte une manière un petit peu de t'engraisser, de remettre en cause un certain ordre établi. Et d'ailleurs, même dans le roman, pour un petit peu s'inspirer de ce qui a été formalisé par Tadjaoud dans sa formule « La famille qui avance, la famille qui reste », c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a le pouvoir en place, et les islamistes, réellement, au fond, ils ont un même projet de société. Étant donné, c'est la police, c'est la gendarmerie qui empêche ce couple-là de vivre leur vie dans la liberté. Ils vivent dans la peur parce qu'il fallait qu'ils trouvent des astuces pour passer dans des barrages. Donc ça traduit, on peut dire, cette oppression, d'où ce que vous avez évoqué à l'UNES par rapport à la question de ce reportage, tout ça. Donc, une révolution est-elle réellement, au fond, une révolution ? Si s'il ne va pas transgresser. Alors que la révolution, par définition, c'est la transgression. C'est de passer à autre chose. Alors que, en réalité, justement, l'une des raisons de parler de l'échec, de parler, de la rupture de cette contestation, de cette interinsurrection, c'est justement c'est le flou et le refus de bien se prononcer sur des questions qui relèvent bien, bien clairement de l'idéologique. Parce qu'on le veut ou non, la révolution aussi, c'est la révolution idéologique. Ça veut dire qu'il y a une logique des idées qui sont en compétition dans un espace et certains, parce qu'ils sont convaincus, on peut dire, c'est-à-dire de leurs idées majoritaires qui sont dans la société, parce qu'à travers l'école, à travers les médias, à travers les institutions de l'État, qu'on le veuille ou non, c'est le conservatisme, c'est l'islamisme qui est véhiculé. Donc, ne pas se prononcer sur des questions primordiales, fondamentales, je pense, c'est l'une des raisons, à mon avis, utilisées même par le régime pour diviser le mouvement, même si il est évoqué dans le roman autrement, parce qu'étant donné que c'est une œuvre, on va dire, de fiction, il y a de l'esthétique, et il n'est pas obligé de répondre d'une manière directe, mais ce genre d'idées sont symbolisées, traduites, interprétées par rapport au discours, ou par rapport au comportement, par rapport à un certain nombre d'actions qu'on pourrait déceler un certain nombre de réponses, même supposées, pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Mais il n'y a pas de réponse, c'est vrai, dans le roman, mais il est évoqué. Mais il est évoqué et il est évoqué par rapport à cette question-là. Juste à Rachid. Qui veut rajouter un commentaire. Si tu permets, Kamal, il met un petit mot sur cette question. Le roman n'a pas vocation à dire la vérité, n'a pas vocation à répondre à une problématique. Le roman est une peinture d'un espace-temps donné. Et pour un petit peu rajouter à ce que tu as dit, les forces antagonistes dans nos sociétés, c'est ce qu'appelle un petit peu Nietzsche le nihilisme. Le nihilisme, c'est empêcher le vivant, c'est empêcher la vie d'aller de l'avant, c'est-à-dire de subvertir, d'évoluer, de remettre en cause, c'est empêcher la vie d'être la vie. Museler la liberté d'expression, museler les journalistes, museler la parole. Pendant le mouvement protestataire lui-même, il y a eu déjà un musellement de la parole. Il y avait des mots qu'on n'avait pas à dire. Il y avait un espace d'impensé et d'interdit duquel il ne faut pas sortir. Notamment la question de la femme, la question de la religion, la question et le roman justement traite de ces questions. Il y a
Pour chaque être humain, sa vérité. Et ta vérité ne vaut pas plus que ta vérité. C'est ta vérité additionnée à ma vérité qui construit une possible vérité plus riche, mais, et encore, elle est discutable, critiquable. Dès qu'on met quelque chose dans un espace incritiquable, indiscutable, indiscuté, on ferme le débat, on ferme la discussion. Or, la discussion, le débat, c'est l'essence même du vivant, la contradiction. Je veux enchaîner avec une question par rapport à ce que tu viens de dire, Hassan, Non, j'ai pas encore terminé. C'est juste, je vais essayer d'enchaîner. Je suis tout à fait d'accord de dire que, bien sûr, la littérature n'a pas pour vocation de répondre aux questions politiques, même si il a pour aussi devoir les évoquer, parce qu'il y a un certain engagement, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, c'est un choix, on peut dire, délibéré de l'auteur. Mais en même temps, bien sûr, ce qui prédomine plus aussi dans la littérature, dans l'écriture, c'est plus son aspect esthétique. C'est les figures de style utilisées, c'est les tournures linguistiques, tout ça, qui fait aussi la beauté d'un texte. C'est pas seulement l'idée qui est importante, mais la manière de le transmettre. Donc la littérature aussi, c'est ça. C'est l'utilisation des procédés stylistiques, c'est les tournures de la langue, et c'est ça ce que le lecteur va apprécier aussi. Mais, en même temps, juste pour arracher de répondre brièvement par rapport à la question, surtout par rapport à la question de l'utilisation du dialogue. Parce que, aussi dans un roman, il y a la question du dialogue. Et ce dialogue-là, déjà, il est considéré, on peut dire, un procédé philosophique par excellence. C'est-à-dire, le dialogue traduit la structure première de la pensée. D'où, justement, la question de la nouvelle langue. Le fait de limiter et de priver les gens de s'armer intellectuellement et de développer, un large vocabulaire pour traduire des idées, ça veut dire, c'est comme si lorsqu'on va te priver d'un certain nombre de mots, d'un certain nombre de termes, de réduire le champ, on peut dire, lexical de l'expression, ça veut dire on te prive de la pensée. Ça veut dire c'est comme si on va te limiter ton champ de réflexion. Donc, on va te limiter pourquoi ? Pour ne pas y aller plus loin, parce qu'il est considéré comme étant une transgression, et ça risque même de remettre en cause l'ordre établi. Et d'où justement l'importance du dialogue dans le roman, où il a fait parler, on peut dire, pas mal de personnages, pour exprimer les différents points de vue, d'où justement ce dialogue-là qui peut être comparé, on peut dire, à plus que l'idée de la communication, de la conversation. Je vais vous dire, Kamel, au décrément de la justement, on abonde dans le même sens que toi, Lounès, c'est que c'est la raison pour laquelle vous avez convoqué la philosophie ou un philosophe comme choix, pour guider un peu la trame de votre roman. Donc il s'agit bien évidemment de Elian, qui est professeur de philosophie. Est-ce que ce n'est pas un prétexte narratif qui a pour but de faire valoir le rôle que joue l'éducation dans la société, c'est ça ? Oui, bien évidemment, Rachid, c'est en effet un prétexte pour aborder certaines questions, notamment la question de l'aliénation. Comment se désaliéner ? On s'aliène par la religion, on s'aliène par le nationalisme, on s'aliène par l'idéologie, on s'aliène de mille et une façons. L'aliénation, c'est arriver à convaincre ou à persuader quelqu'un de penser d'une autre façon que la sienne. L'aliénation, c'est le contraire de la raison, du bon sens. Et lorsque je donne la parole à un certain nombre de personnages, du philosophe au médecin, à l'humoriste, au fou, aux mamans, aux papas, à la grand-mère, pour dire la mémoire, et pour parler, pour dire comment une société fonctionne, comment une société interagit, évolue, se développe, avec toutes ces contradictions qu'il faut prendre en considération. La philosophie aussi, c'est pour, comme tu dis, c'est pour faire appel à un certain nombre de thématiques, notamment la question de la mort, la question de la vieillesse, parce que la pandémie a posé d'une manière jamais posée historiquement peut-être, par rapport aux moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui, il a posé la question de la mort, la question de la vieillesse. Pourquoi ? Parce que la catastrophe, la pandémie, banalise
la mort à tel point qu'on ne se rend même pas compte des gens, des tragédies que vivent les gens. Donc, le philosophe, il fait appel, il explique un petit peu sa définition de la mort. Qu'est-ce que nous apprend la philosophie sur la mort ? Qu'est-ce que nous apprend la philosophie sur la vérité ? Il y a... Le personnage essaie de déconstruire tout au long de la trame certaines choses qui sont dictées comme vérité, partagées, répétées. Alors qu'il suffit d'y mettre une goutte de raison, et tout l'édifice idéologique s'effondre. Et quand je fais appel à les philosophes, ce n'est pas par prétention de dire la vérité, c'est de dire... Ouvrons-nous un petit peu à des questions, à certaines questions. Il faut qu'on se permette le débat et la contradiction. Parce que au départ, quand ma vérité est ébréchée par l'autre, ça fait mal. Mais je préfère un espace, comment dirais-je, de blessure commune, qui est l'espace public, qu'un espace où l'on s'entretue. Parce que les vérités, indiscutable et indiscuté, mène à la confrontation par la violence. Et donc, oui, je dirais que, effectivement, le personnage s'est imposé de lui-même parce qu'il fallait un philosophe pour répondre à cette question, à cette urgence, à cette... Merci, merci, Lounès. On finit la dernière question, Yannick. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça et brièvement de l'année? Oui, je vais essayer de résumer par rapport à ce qui a été dit, surtout par rapport à la notion de déconstruction. Déjà, une notion déjà utilisée même par justement le philosophe Jacques Derrida. Il a évoqué la question de la déconstruction qui est considérée comme étant l'ensemble des techniques et stratégies utilisées pour déstabiliser justement. Il y a une forme déjà dans le roman, une certaine déstabilisation, et pour essayer de fissurer ou de déconstruire justement les idées reçues, justement qui sont considérées comme étant des vérités. Donc il y a l'idée de la déconstruction, d'où justement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le procédé de dialogue est propre, on peut dire, pour essayer justement d'évoquer et de réfléchir philosophiquement et de se poser donc des questions, même s'il n'y a pas de prétention pour répondre définitivement aux réponses, mais c'est plus chaque réponse qui se transforme en question. Et d'ailleurs, d'où justement le personnage principal, à chaque fois, il se pose des questions. Il y a des questions, il essaie un peu de répondre, mais à chaque fois qu'il apporte une esquisse, on peut dire, de réponse, dans son point de vue, qui n'est pas la vérité absolue, mais toujours il y a des questions. Il transforme ses réponses, on peut dire, en questions. Et donc, justement, cette idée de la déconstruction, selon déjà Jacques Derrida, est une sorte de ce qu'il appelle la phase de renversement, d'où, justement, on va parler un petit peu du statut de la femme par rapport, justement, il y a cette idée-là de déconstruire, de dire que, justement, il fallait y aller vers l'égalité, d'où, justement, la transgression, par rapport à cette relation interdite amoureuse, parce que dans notre société, la véritable relation n'est valable ou légitime qu'après mariage. Donc c'est pour ça que justement, toutes les relations avant, elles sont considérées comme étant interdites. Donc il y a cette idée de déconstruction, c'est vrai, dans le roman, qu'on pourrait lire aussi justement le roman de cette manière. Merci Kamel, est-ce qu'il faut qu'elle dit que c'est ton dernier mot? Est-ce que, rapidement, est-ce qu'il y a un lien, peut-on faire un lien avec le Foud Ahlam et ton roman de 2017 qui a pour titre La République de l'Abîme. La République de l'Abîme. Oui, les liens, ils sont toujours existants. C'est La République de l'Abîme, c'est une dystopie qui parle d'un monde fermé, qui est confronté du jour au lendemain à une vérité, une seule vérité, et qui lui est imposée par une théocratie. Et donc, la moindre expression du vivant, une chanson, un livre, une œuvre d'art, devient un acte subversif. Donc, apparaissent des Noé qui essayent de sauver les genres musicaux, des gens issus de différentes religions, différentes croyances, qui essayent de restituer les altérités, de reconstruire les pans. Et puis, moi,
bizarrement, quand je pense à la République de l'Abîme, je pense naturellement à ce qui se passe de nos jours chez nous. Et je me dis que c'est vrai que c'est une dystopie, c'est exagéré, c'est, on exagère le tout pour imaginer un espace sombre et fermé. Ce n'est pas ça. Mais force est de constater qu'il y a un petit peu des prémices de la République, de l'Abîme, où la pensée devient difficile, la moindre pensée devient subversive. Et donc le lien, je dirais aussi l'espace de Fouad Ahlam est un petit peu un espace fermé. C'est un espace qui est imposé par la pandémie. Et donc, comme disait tout à l'heure Kamel, il y a une réaction qui vient du dedans généralement, parce que les gens sont cloîtrés. Et donc, quand tu es cloîtré de toute la journée, les rapports familiaux sont redéfinis, les amitiés sont redéfinies, le rapport à l'autre est redéfini. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose par rapport à Fouad Ahlam, on n'en a pas parlé. La dimension, si tu veux, on va dire, il est question aussi de certaines questions que pose la pandémie, et notamment la question de l'urgence climatique, la question de l'environnement. Mm-hmm. Tout à l'heure, sur ta question sur la philosophie et le philosophe qui subvertit, qui déconstruit, qui brise au marteau, il s'agit aussi de dire que, un petit peu à la manière dont le disait si magistralement le grand philosophe Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. L'homme est un élément, l'homme et la femme bien entendu, l'homme fait partie de la nature. Il est de la nature, il n'a aucun privilège par rapport à la nature. Il est aussi insignifiant que n'importe quelle créature sur Terre. Et la pandémie nous l'a fait comprendre. Si on ne change pas notre façon de penser le monde, la Terre et l'univers vont guérir de nous, comme on guérit d'un rhume, aussi simplement, aussi banalement. Tout à fait. C'est une mixte à merci. Merci à vous, merci à Kamel, merci à Rachid, à Tekom Saha. Merci pour l'invitation. C'est une mixte à Kamel Likic. Donc, Snani, on remercie donc notre invité d'avoir accepté de venir débattre sur son dernier roman. Et il dit qu'il y a des gens qui ont été faits et qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été faits. Il y a des gens qui ont été plateformes numériques. Il y a des gens qui ont été faits. Le roman est un signe de merci. Il y a des gens qui ont été كما لسان مليد دي سنتال نظام نجيغاو تكتيوين او دينيغ قيمة دي ثلويث